C'est une semaine pleinement estivale qui vous attend avec des températures dignes d'un mois d'août. Et oui, première vague de chaleur de l'année avec des températures qui vont tout simplement s'envoler. Alors cet après-midi, on aura globalement de bonnes conditions entre la façade ouest, le nord ou encore la Bretagne. En revanche, les conditions météo vont un peu se dégrader, toujours aux mêmes endroits entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou encore le Jura, avec des orages mais principalement en montagne. Et puis on retrouvera quelques averses résiduelles entre le golfe du Lion, les régions centrales ou encore en remontant vers la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace. Les températures, justement, elles s'envolent aujourd'hui. 27 degrés cet après-midi à Paris, 25 degrés à Dijon, 26 degrés du côté de Limoges ou encore de Lyon et localement jusqu'à 29 degrés à Bordeaux. Températures qui sont en moyenne 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Mardi après-midi, de bonnes conditions sur les régions de l'ouest ou encore en remontant vers le bassin parisien et le nord. En revanche, dégradation toujours entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore le nord. Vous aurez également quelques orages entre le nord de la Corse et le Mercantour. Côté température, ça va rester estival au nord comme au sud, avec des températures dignes d'un mois d'août.